L'événement attendu avec l'arrivée du printemps, c'est l'élection de la reine du Muguet à Compiègne. Cette année, 13 candidates concouraient pour le titre d'ambassadrice de la ville impériale. C'est Amandine Coquelaise qui a séduit le public et le jury sur scène, dont le difficile passage au micro. Parce qu'il y a eu énormément de fair play entre toutes les candidates, on s'est toutes aidées pour nous habiller, pour nous maquiller, etc., pour nous calmer, parce qu'on a été beaucoup stressés et c'était super. Amandine semblait elle-même étonnée de sa victoire. Je suis vraiment très fière, en toute honnêteté, je ne réalise pas encore ce qui se passe, c'est juste incroyable. Ça a été un show magnifique, on a pris énormément de plaisir et je pense que mes demoiselles d'honneur sont du même avis que moi. Donc je tiens à remercier vraiment tout le monde d'avoir voté pour moi ce soir. Cette élection existe depuis 1923. Elle est devenue un rendez-vous attendu dans le calendrier de la ville. Je déclare ouverte la soirée d'élection de la reine du Muguet 2018. Julien, l'animateur phare d'Énergie Compiègne, conduisait cette soirée dans une salle particulièrement animée où les candidates avaient chacune leurs supporters. Numéro 12, Julie Papo, voilà. Votez pour elle. La 5. Alors pourquoi la 5? Parce qu'elle me semblait être la meilleure. Julien, dévoilé lors de cette soirée, l'artiste phare du Énergie Music Tour du 30 avril sur la place du château, où la nouvelle Miss sera couronnée sur scène. Paname, paname, on arrive, moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, paname, on arrive, moi mes rêves et mes chansons. Océane Morel, Julie Papot seront les deux dauphines d'Amandine, un rôle qu'elles tiennent à jouer sérieusement. Je pense que c'est une expérience incroyable qu'on doit vivre et je remercie pareillement tout le monde pour avoir voté pour moi et c'est génial. Rendez-vous le 30 avril, place du Château, pour assister au sacre de la nouvelle reine du Muguet et pour nos miss élus, l'occasion de toucher en vrai l'univers du show business.